Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Vinland of Mana, dernier opus de la saga Mana. Tout frais, tout chaud, c'est sorti il y a quelques jours maintenant. Et oula, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ok, à peine on vient d'arriver. On se remet dans le bain. Ah, je les avais pas vu venir ceux-là. Mince. Pire démarrage ever de vidéo. L'effet du gel. Alors là, clairement, le gel, il est très, très chiant. Je vais... hop là. Première chose que je vais faire, je pense, me mettre des protections anti-gel. Enfin, sans déconner, hein. C'est quoi ce début de vidéo de merde? Vous êtes sérieux? Mais crevez, quoi. Alors là, le coup de la mort, là... Non, je suis pas d'accord là, j'ai presque envie de recommencer le début de cette vidéo. Mais bon, on va rester comme ça, après tout, c'est les aléas du direct, même si c'est en différé. Non mais... Oh, j'ai envie de les taper là, les mecs qui font du gel là. Il est quand même bien, bien craqué ce pouvoir du gel, là, cet effet de gel, on est d'accord, monsieur, dame. Ça va pas là. Oh putain, donc, suite de Vision of Mana, voilà, super jeu, qui est très bien. Non, en vrai, il est top ce jeu. Là, je viens de me faire bien surprendre comme il faut. Bon, c'est pas grave, on reprend les choses comme il faut. Au gelé, alors là, c'est le niveau qu'on avait fait dans la démo, où il faut geler un peu le temps, voilà, pour pouvoir passer. Mais avant, je vais peut-être me retaper un petit peu. Pas d'autres trucs, pas d'autres objets. Peut-être prendre un petit bonbon. Oh là là, putain, il faut que j'arrête de faire ce bouton-là. C'est celui-là. Voilà, bouton. Non, bonbon. Oh là là. Très dur aujourd'hui, là. Très très dur, ce début de vidéo. Ah là. On se soigne un chouïa. Là, le temps est ralenti. On va prendre les miel-ours. Voilà. Et là, c'est pour si j'ai besoin, je crois, de repartir. Si je fais ça d'ailleurs, je pense que ça arrête l'effet en fait, non? Ou ça le relance? Ouais, non, ça a l'air d'être ça le relance. Ok, bon. Bah, on va repartir, hein. Enfin, on va continuer. Oh, j'en reviens pas de ce début de vidéo, là. Oh là là. Ça aurait été comique de... Putain, non, mais j'ai mouru, en plus, ouais, j'ai... J'allais dire de mourir, mais non, j'ai mouru dès le début de la vidéo. J'ai honte. Alors là, vous... Tiens, encore ce putain d'effet de gel. C'est pas possible. Allez, allez, on va reprendre les choses bien comme il faut. Lui, il fait le gel, je crois. Je ne suis pas encore habitué à ceux qui font le gel. Bim. Alors, on s'en est pris par la gouache. Bon, pas de mort. Non, non, cet effet de gel, là, il faut vraiment faire attention, là. Je viens de là, bah tiens, d'ailleurs. Je ne l'avais point vu. Être un peu fort, même, pour moi, là. Hop, voilà. La musique des combats est quand même bien forte. D'un coup, ça, avec les bruitages et tout, ça a vite tendance à péter un peu les oreilles. Je pense que normalement ça va pas être un problème pour la vidéo. Bim. Des choux. Normalement là on n'a pas de... Ils sont où? Descendez de là. Ah ouais, il m'a bien touché. Ah
D'accord. Non, c'est bon. C'était finish. Oh là là. Oh là là, ça va être le run de toutes les surprises. Quelque chose me dit que ça va pas être de tout repos. Bon, en même temps, c'est pas plus mal. C'était quand même pas dur jusqu'à là. Peut-être que là, ça va être un peu plus retort, même si en vrai, je connais déjà le niveau, puisque c'est exactement ce qu'il y avait dans la démo. Donc, c'est juste que je pense que là, vu que je connais déjà la suite, je vais peut-être être un peu plus efficace sur le combat, sur un combat de boss qu'il y aura plus tard. Je dis rien pour ceux qui connaissent pas, mais... j'avais un peu galéré sur le... J'avais un peu galéré la dernière fois par, on va dire... pas mes connaissances des touches, mais c'était un peu vraiment la pure découverte du jeu, etc. Bon, là, j'ai un peu plus l'habitude, je pense qu'il y a des choses qui... surtout que je suis déjà à la manette aussi, rien que ça change. Il y a des choses qui vont... qui devraient un peu mieux se passer, je pense. On verra bien, hein, s'il faut, le boss aussi, il a été nerfé. En vrai, je pense pas. Mais... ça, c'est pourquoi déjà, c'est pour avoir plus de sous. Ouais. Gros combat, plus de sous. Moi, je dis oui. Oh putain, le gel. Ah, mais on va enchaîner les combats, pas de soucis, hein, avec mon armure de chevalier de cristal. Déjà, tous ceux qui font le gel, allez vous faire geler le flon, là, voilà. Merci, au revoir, et c'est fini. Non, combat 2, non, le gel, tu te le gardes. Tu sens le mec là qui sert à rien dans le combat. J'ai l'impression d'être dans Nullbuck là. Peut-être que je sorte mon épée. Là. Voilà, ça y est. Re-renfort. Ah oui. J'avais oublié qu'il y avait autant de points de combat là. Altération paralysie. Ah! Et on a des altérations. Faut vraiment se protéger sur les altérations parce que ça fait vraiment yesh. Ah là là, t'as bien pris ta... t'as bien pris ta tornade. Décidément, je suis moyennement satisfait de ma prestation là sur ces premiers combats. Entre le gel, la tortue qui me saoule, la paralysie, il y a un peu de tout. Ouais, non, faut vraiment que je trouve des objets qui protègent beaucoup d'altérations. Dans les Final Fantasy, c'est pareil, les protections contre ce genre d'altérations, c'est vraiment un peu important, beaucoup même. Et de mémoire sur Super NES et même sur Game Boy, ouais. Tout ce qui était protection sur l'anémie, le poison et tout, c'était vraiment important pour avancer un peu plus sereinement. Hein. Normalement, j'ai eu en plus le bonus de dessous. Et là, on arrive dans une nouvelle zone ouverte, normalement, et on va débloquer, si je dis pas de bêtises, le loulou, ça va être bon, ça. Allez, le toutou, pour aller plus vite, ça va être trop bien, ça. Mais peut-être que plus tard dans le jeu, on débloque aussi un truc volant, ça peut être sympa pour certains endroits inaccessibles. Pour l'instant, on n'a pas trop eu, on n'a pas trop vu, mais... この大草原の先に港町ラタがあるんだな。
ミルパ様はルスのようだな。モートレア様のお知り合い？この牧場の主だ。私がエリスタニアにいた時にお世話になった方で、剣術の師でもある。大草原を行くにあたり、力を借りようと思っていた。モートレアって水の都に住んでたんだ。ああ、エテラナが滅び、一人取り残されていた私をエリスタニアに住む人が助けてくれてな。 以来、私はその人の家で暮らしている。ミルパ様に引き合わせてくれたのも彼なんだ。へえ、人に歴史ありって言わはるけど、いろんな出会いがあるんやね。水の都へ行くのは初めてだから、心強いね。少なくとも街で道に迷うようなことはないな。さて、ミルパ様がいないとなると。Alors visuellement, je suis pas super fan de Morlaix. Je sais pas. Ensuite, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein, mais... ouais, non, le Morlaix... Je le trouve pas... vraiment pas aussi attirant que les autres. Alors, ils sont tous au top, les autres, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Val, parfait. Ina, parfait, mais... alors, le Morlaix, je sais pas... Son aspect un peu pédant, un peu de petit prince là. Je sais pas, j'accroche moyen. C'est son air un petit peu de prince, ouais. Perso, j'accroche moyen. On va voir si plus tard d'autres persos, normalement j'espère. Je me suis pas spoilé grand chose du jeu, je ne sais pas s'il y aura d'autres. S'il y aura moyen de faire. De changer son équipe un peu comme on veut, quand on veut. On verra bien. La save, no messy, mais par contre, des miel-ours, oui. Ah, des miel-ours. Des miel-ours, plein de miel-ours. Là, on avait un coffre, je crois, qui était planqué, je sais plus où. Ouais. Alors... On va... l'arme de Morlaix. Bon bah je vais quand même lui mettre. Pas parce que je l'aime pas qu'il faut que je le laisse stuffer comme un con. Surtout que tant qu'il est avec moi, il va bénéficier de toutes mes petites attentions. Hop, hop. Katana. Ah non, merde. Katana, c'est une arme pour si je le change de classe. Oh là là, putain, Morlaix. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai déjà oublié. Z devait pas être important. Au pire, ça me reviendra. Là, le coffre, il est en bas, je crois. Ouais, il est en bas. On va faire le tour, on va prendre le temps. Donc, nouvelle zone. Bah, qui dit nouvelle zone? Ah ah ah! Qui dit explorer? Des miel-ours là, des objets là. Alors le coup de faire la chasse au miel-ours, franchement, je me pose un petit peu la question de si ça sert vraiment, en fait. Je suis sûr qu'arrivé vers la fin du jeu, je vais me dire, mais putain, mais en fait, les miel-ours, on s'en bat les cœurs. J'espère pas, hein, parce que ça a l'air cool de faire la chasse au miel-ours. C'est juste que j'espère que, voilà, ça en vaut vraiment la peine pour des objets importants plus tard, quoi. Que ce soit des cojetons, c'est pareil, j'ai oublié de voir ce que c'était. Tréflor. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Allez, on récupère le toutou. Voilà, encore un beau panorama. Ça, je veux voir ça en aquarelle, hein, ou fait par un bon dessinateur, là. Comme il est beau, Motoria, le beau chien. Motoria,
案ずるな。この子たちは安全だ。ミルパ様、お久しぶりです。今回は一人旅ではないのだな。しかし護衛というわけでもなさそうだ。はい、彼らは私の仲間です。ほうほう、仲間とな。前に会った時よりもいい顔をしておる。何があったか聞かせてくれないか。エテラナで月の巫女に指名されました。月の巫女、そうだったか。過去を、時を思うお前の心が精霊を呼び覚まし、そして精霊はお前に次なる未来を託したわけだ。よかったな、モートレア。私もニキータも嬉しく思うぞ。ミルパ様。さあ、巫女がこんなところでグズグズしていてはいかん。時は決して立ち止まるものではない。新しい未来のため、マナの木へ向かうがよい。Ça, c'est utile. Ça va être important. D'ailleurs, même dans, même sur Game Boy, là, à un moment donné, on débloque le chocobo. C'est génial. Tu te déplaces plus qu'en chocobo, tellement ça aide au déplacement, là, la rapidité. Parce que, ouais, normalement, de base, il y a des chocobos dans la saga Mana. Saga Mana, à la base, c'est un spin-off de Final Fantasy. C'est devenu après une saga à part. C'est pour ça qu'il y a des éléments communs. Et les chocobos, bah, ça en fait bien partie. Ça sert pas que à faire des méchouilles. N'empêche, moi aussi, je veux trop en chevaucher hein, comme ça, là, et faire des rides, là, dans ces grandes steppes, ça a l'air génial. D'autres Pickles. C'est un nom à la con, on va pas se mentir. この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも、いつまでも。Commence à être amoureuse. Elle est amoureuse. Cloche ding dong. Tu le doutes ? Appelez un pilule. Ok, ça c'est très très cool. Alors après ma touche du pilule c'est quoi ? Ah bah voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà, ça c'est bien, ça va pouvoir se déplacer rapidement sur les cartes, c'est ça qu'on veut. Oui. Ah non, merde, c'est pas un cheval. Hop. Ah, c'est pas mal ça, je peux... Je peux activer les machins même sans descendre. C'est cool. Bon, là, il y a plein de nuits et l'ours, plein d'objets partout. On va commencer par faire un peu de... Par faire un peu le tour de tout ça par les bords. Alors, de mémoire, il y a deux Named. J'en avais buté un dans le... Alors, pour descendre rapidement, est-ce qu'on peut... Non, est-ce que c'est... Il y a que ça ? Non, il n'y a pas le choix. Comment je descends de ce truc ? Ah oui. Tout simplement. Et pour le rappeler, je pense que c'est pareil. Tu m'as foncé dessus là ou j'ai rêvé là ? Ah, je me suis pris un coup de bec, là, j'ai rien compris. Hop là. Et pour le rappeler, normalement... Non, pour le rappeler, c'est vraiment ça. C'est pour descendre... Ouais. Voilà. Ok. Alors, et donc, je disais, il y a un Named qui est dans le coin là-bas, dans la cascade.
Je l'avais fait dans la démo. Il y a sûrement un autre Named, mais je sais plus où il est. Là, il y avait un autre objet. Oh putain, vraiment, je peux plus. Y'a l'ours. Y'a l'ours. Y'a l'ours. Ok, promis, j'arrive. C'est chiant, même pour moi. Oula, il a plein un joli coup. C'est bien que tu aies mal. Prends mal, prends cher, prends cher. Des sous d'XP. Des sous d'XP, des mille ours, que demande le peuple? Ouais, là, si je repars en courant dans tous les sens, autant que ça se fasse rapidement. Bon, ensuite, il faudra que je fasse gaffe à pas trop faire plein de combats, parce que mine de rien, à chaque fois, on descend des toutous. Un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un style de combat un peu dédié à... au combat monté sur les toutous. Là. Ça aurait pu être pas mal. Avec des coups un peu à base de charge, des trucs comme ça. Là. Ah là, typiquement, on va pas s'arrêter à chaque fois pour battre tout le monde. Il était là-bas. L'autre Named là que j'avais déjà vu dans la démo, on va aller lui faire un petit coucou. Bon, pour l'instant j'ai battu tous les Named. Hein. Alors des fois c'était plus, plus fastidieux que d'autres, mais pour l'instant je les ai eus. Je croyais qu'il y avait un objet, je me suis fourvoyé. Mielours. J'ai cru avoir vu un autre Mielours. Je veux tous les Mielours. Voilà, ongle magique. Mielours, Mielours. Encore des Mielours. Putain, alors, mais c'est fou ça, il y en a partout. Ils ont tellement dû se marrer là, les équipes là, quand ils ont mis les Mielours partout. Là. C'était là, je crois. Hein. Et ben, il me semblait que c'était là, tu vois. Merde alors. Qu'il y avait un Named. Alors. Que ou c'est pas là ou alors comme c'était la démo peut-être qu'ils l'ont changé de ouais ou je le retrouverai peut-être ailleurs mais merde non. Sûr c'était là forcé de constater que non comme j'ai les nerfs faut que je me défile faut que je me venge sur des hérissons innocents. Voilà, ça y est. Ça va beaucoup mieux. Je suis passé les deux. Je ne suis plus énervé. Ah, 4 secondaires là-bas. Ah, bah non, tiens, 4 secondaires. Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est lui qui me renvoie ici, en fait. C'est lui qui me renvoie à cet endroit pour. Pour je sais plus quoi, pour quête secondaire de merde, de PNJ de merde, mais là, y'a quoi, y'a rien, c'est juste pour faire beau. C'est étonnant que ce soit juste pour faire beau. Des mielours.
Là-bas, il y a... y a plein de choses. Il y avait des miel-ours, je sais plus si j'avais fait le tour de tout dans la démo. Mais maintenant, maintenant qu'on est sur le jeu complet, là, pareil, c'est un défi. Alors le défi, j'avais pas réussi à le faire l'autre fois. Mine de rien, on était à pas grand chose hein, sur le défi. Alors on va se le tester. Au pire, on se prend une trempe et puis si ça passe, on va avoir une belle récompense. Ah, une de fer. Ah ouais, il y a quand même du beau monde là. On se prend une belle petite trempe. Hop là. Oh non. Voilà, tu vois, je me suis bien trompé là. Allez, fais-moi vite monter ta jauge là. Putain, il y a deux hommes de fer en plus. Hop là. J'espère que je vais pouvoir prendre tout le monde dans le champ là. Ah on d'un coup on s'est allumé là. Allez on donne tout ce qu'on a. Ok, tout le monde est à zéro. Bon bah faut savoir reconnaître quand on est au niveau. C'est vraiment possible de le faire là à ce niveau là. Votre machin là, parce que là c'est quand même costaud, hein, monsieur dame. Je reviendrai plus tard quand j'aurai pris 30 niveaux. Là il y a un objet normalement. C'est ça? Oui, non, ça a l'air d'être ça, mais j'ai pas la relique pour activer. Là, il y a des miel-ours. Alors, comment on fait pour les avoir, ceux-là? Ok, alors pour l'instant, ça me semble mission impossible, mais peut-être que plus tard... Ah non. Peut-être possible, finalement. Mais alors là... Ou peut-être avec un autre perso, je vois que ça. Il n'y a pas... peut-être un genre de puzzle jump. Voilà, à part ces deux-là... Là, il y a une espèce de point d'ancrage, mais... Impossible à avoir. Écoute. Visiblement... Des endroits, c'est pour plus tard, hein. Alors j'ai vu le PNJ bien sûr, mais j'ai aussi vu des miel-ours. Je veux prendre tous les miel-ours. Jusque là, pour l'instant, il n'y en a plus. Putain, alors là, par contre, celui-là, là-haut, là, je suis dans un état profond de déprime, là, de ne pas pouvoir avoir ces miel-ours, là. Tac, objet. Je le prends maintenant, tant qu'il est là, avant que j'oublie. Objet. Ah, miel-ours, ouais. Mais là-bas, il y a un objet. Ah,
là, les petits lapins, clairement, c'est plus un souci. Sauf si je tombe sur genre le maître des lapins, et là, c'est sûrement pas la même. Voilà, objet. Là, clairement, c'est aller vite. Il y a qu'un seul personnage qui me donne une quête là. Ça m'étonne. Peut-être un peu plus tard, mais là, comme ça, je ne sais plus. Allez, renvoie-moi où j'étais déjà allé. Vous voulez bien m'écouter? Ma maison, il y a des monstres. Allez, hop. C'était bien là, hein. Non, c'était plutôt par là, apparemment. Là. C'était bien là. Je les avais déjà tués pour me passer les nerfs. C'était peut-être pas la peine. Voilà. Et voilà les monstres. Avec un petit Named. Et bien c'est parti. Et bim. Oui, passé. Il va se prendre la furie dans la tronche, lui. Ouais, on est presque 100%. Qui sait qui va se prendre la tempête dans la tronche? Allez, fais-toi plaisir. Plein de dégâts. Plein de gros chiffres. Pas trop de gros chiffres, quand même. C'est toujours ça de... Voilà. Ah, un coup de dépit à côté. Un. Il a pas pris. Tiens, cadeau. Il a pris. Moi aussi j'ai pris. Où il est? Il est là. Bon, ça va, il est pas très dur, hein, il fait un peu de dégâts, mais bon. Ah merde, j'avais oublié ça, tiens. J'avais oublié que j'avais le pouvoir de me mettre en feu. Bon, là, on est à la fin du combat. J'avais complètement oublié que j'avais pris ça et c'était très cool. Mine de rien, sur les dégâts élémentaires, ça fait un joli petit. Un joli petit bonus de dégâts. Noyau, machin de bidule. Ouais, matériau de compétence. Par contre, j'en ai une qui a pris cher là. Va falloir que ça se fasse soigner là.
ou que je recroise des jars, parce que là j'ai pas vu beaucoup de jars en vrai de vrai là sur ce sur cet endroit là. Et là, tiens, quelque chose. Je suis pas du tout allé depuis le début. Voilà, objet. Les loups. Fait que là on est en plein milieu, je suis pas allé là. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Biscuit bizarre, j'avais peint le truc aussi au-dessus. Non, j'ai cru. Mélours, mélours, très bien. Qu'est-ce que tu me donnes de beau? Un retour difficile, braconnage. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais dû l'avoir déjà parce que j'ai fait le truc à la démo, mais j'ai oublié. Braconnage réduit de 50% la durée des altérations d'état. Ça, c'est bon, ça. Alors, lame de flamme. Ah là là. Taux de critique plus 20%. Non, ça, c'est quand même énorme. Allez, on va remplacer la lame de flamme. Parce que ça, clairement... Je parlais tout à l'heure de la de l'importance des de, du contrôle de la, des altérations là. Juste après j'ai ça, donc clairement on s'en équipe. Voilà. Et c'est vrai que le toutou il défonce les jarres. Ça c'est cool. Encore des jarres. Est-ce qu'on continue à explorer par là ou... Ah bah tiens, par là apparemment il y avait des choses. Hop là. Ah non, je suis allé tout au bout je crois déjà. Là-bas j'ai encore une quête secondaire. Pas beaucoup de coffres là. Encore un défi. Ah, je sais pas si je me chauffe maintenant à faire plein de défis ou si. J'attends en fait un peu de prendre des. Plus de niveaux, des compétences, des techniques et. Et voilà, pour être plus. Plus au taquet. Bon, de toute façon, visiblement, celui-là, je peux pas le faire, donc. Ça règle tout. Balbec fait le billet. Je crois qu'il y avait un Emaid, mais non. Oula, comment je t'ai percuté, toi, le lapin? Ouais, ils se re-soignent très vite, ouais, on peut pas les tuer juste avec ça, ça aurait été rigolo. Peut-être qu'on peut lui rajouter des genres de lames sur les côtés aux chiens pour qu'ils fassent plus de dégâts. Genre les bus dans l'armée des morts. Et il me semble que par là, il y avait un autre Nemed, hein, mais je crois que quand je l'avais vu dans la démo, j'avais dit « Ouh, toi, t'es... je suis pas au niveau, là. » Donc, ouais. Vraiment faire plein d'allers-retours et revenir sur ses pas pour rien louper, hein, c'est fou. Hey, Fleur! ならしただけでピッコルたちが来てくれるんか？音に敏感な習性を生かして
Où est le point d'intérêt qu'il y a là? Faire quoi? Bah voilà, c'était ça. Sauvegarde, non, merci. Alors là, clairement, je vais sauter. Mais non, j'ai loupé les miels ours à cause du chien. On va se refaire ça. En plus des contracts. Bah voilà. C'était ce qu'il fallait faire pour une fois, sauter sans les chiens. Des ennemis, on s'en fout un peu. Ok. Ah ça c'est cool, mais autant laisser directement le coffre, là c'est un peu... Un peu teubé comme principe. Là, il y a de tout. Bon, tout le monde est retapé. Déjà, ça fait plaisir. Le voilà. L'autre Named. Est-ce que je me le tente ? On est à 100% de dégâts. Clairement, allez. Fais-toi plaise. S'il peut déjà perdre 50% de vie, c'est cool. Il va faire mal. Non, ça... Il a pas trop fait mal. Level up. Alors là, ça fait plaisir. Là, c'était beau. Bon, direct, je l'ai enchaîné. Enfin, je l'ai engagé avec la furie, mais bon. C'était quand même... voilà. Ouais, et là, celui-là, je me rappelle, dans la démo, ça me mène tout là-haut. Coupe céleste, là, il y a un objet, j'ai vu un miel ours, mais je crois que je l'ai pris en fait. Un objet. Ah, pourtant je suis passé, je l'ai pas vu du tout. La vache. Voilà. Il y a un autre objet que j'ai vu là-bas. Alors, j'étais là-haut. Il était plutôt par là. Hein. Il y a des miel ours. Merde, il y a moyen de remonter? Ouais, il y a la tornade qui est là. Il était là. Aïe. Yes. Il y avait ça, il y avait des miel ours là-bas que j'ai cru prendre déjà, mais bon.
Ah, je me disais où ils étaient passés. Ils sont là. Visiblement avec un autre petit coffre là-bas qui m'a échappé. Rien ne m'échappera. Rien ne m'échappera sauf les endroits où j'ai pas accès. Bon, visiblement, c'est... ce sera dans un... avec un autre pouvoir, mais bon. Allez, où maintenant? Là-haut, non, là-haut, il y avait un truc inaccessible, je crois. Je crois, hein. Comment on fait pour rappeler tout? Je vais y retourner parce que je veux être sûr. Et puis après, on va avancer, on va aller dans la ville portuaire, faire ce qu'il faut faire. dit comme ça, c'est très bête. Mais on va continuer ce qu'on a vu déjà dans la démo. Puis après, il va y avoir la traversée en bateau. Là, on a déjà activé. On avait déjà fait? Je sais plus. J'ai oublié. Non, je crois pas. Alors là, voilà, réfléchissons un petit peu. Là, il y a des points d'ancrage. Je rêve pas, ça a l'air d'être des points d'ancrage. Là aussi. Là, il y a des trucs élémentaires qu'il faut activer. C'est là, hein. C'est sûr, c'est là, mais. Visiblement, j'ai pas. J'ai pas le machin qui suffit. Ou s'il faut, je l'ai. Mais attends, je vais voir si je peux pas le mettre sur quelqu'un d'autre. Là, moi, j'ai la relique de ça. Toi, on va dire que tu vas prendre la relique de ça. Ça fait que du coup, tu te remets en danseuse. Oui, c'est ça, hein, tu reviens en danseuse. Pou, pouvoir de la lune. Pou. Allons. Astronome. Genre, je comprends plus là. Là, je suis chevalier unique, moi, on est d'accord. Ah oui, non, ça c'est ce que je débloque. Certaines compétences. Karina, Morlaix. Alors lui, par contre, cette relique. Val a déjà la relique. Et Karina a déjà la relique. Non, c'est bien ça. Ah putain, ça y est, j'y suis. Oh là là, ça y est, j'ai pigé, putain. Putain, j'ai pas assez dit. Donc Val, avec cette relique-là, c'est un chevalier unique avec la... ça y est, boomerang de bidule, sphère de machine. Et Morlaix, il a... Ok, il a dans le... Donc l'astronome, du coup, l'astronome, ça fait quoi? Merde, c'est une classe que je connais, soyez pas... Astronome d'éléments lune, capable d'inventer des techniques, d'augmenter les critiques, ah bah ouais, ça a l'air d'être un genre de buffer. Technique foudroyage, foudroiement, ah bah oui, le foudroiement, c'est moi qui l'ai mis. Alors du coup, on va peut-être t'enlever ça et te mettre à la sagesse, vu que t'as l'air de lancer des sorts, etc. Voilà! Bon, on s'optimise un petit peu plus. Ça change rien au fait que ça, je peux pas l'utiliser. Pas péter la porte là. Non. Eh bien, on a fait le max. Ça frustre, hein. Un objet là. Ça frustre un peu. Je veux faire les ça là et je veux activer ça, mais je pense que ce sera peut-être pour plus tard après tout. Loin d'avoir fait le tour de beaucoup de choses encore. Yelours!
Allez hop, suite de l'aventure, c'est parti. On va à la ville portuaire. Ch'toing. Et on ne traîne pas le temps de 2 minutes. Alors normalement il y a 2 Némèdes, hein. J'en ai eu 2 je crois, dont un par une quête, mais je pense que c'est peut-être normal de le faire pop dans ces conditions. Mais bon. J'avais cru voir quelque chose, mais c'était... Ce n'était que... Voilà. Ce n'était qu'un arbre. Ah! Le toutou ne va pas dans l'eau. Eh ben, je le découvre, je l'apprends. Bon à savoir. Pour plus tard. Ah ouais, j'allais dire, là, ça sent la Némède, mais niveau 50. On va frôler les murs comme Jaja. Plan magique. Ah bah tiens. J'ai ouvert 100 coffres. Ce qui est pas mal. Putain, ouais, 52, clairement, je reviens à la fin du jeu. Ça, ça fait partie du contenu... endgame, je pense. Hein, c'est obligé. Ah ouais, ben waouh, avec la compétence de buff là des critiques, je sais pas si ça y a fait, mais ça c'est pour un peu plus d'XP, mais bon. Objet. Yosh. Là, on va vite activer ça. Ouais, c'est fait. Si après je suis en galère de transport, hop, un coup de TP. Et c'est cool. Où ils sont? Où vous êtes, les méchants? Ah, j'ai rien coupé, là, ça va être trop bien. Un peu fait d'XP, ouais, vraiment un peu. Bon, un petit combat comme ça, hein, ça se torche un peu vite. Miel ours, il y en avait 2. Il y en avait 2, j'en ai pris 2, donc c'est cool. Ah, miel ours, objet. Là, je me rappelle, j'y étais allé dans la démo, j'avais tout fait. Enfin, pareil, hein, je crois que j'avais fait 2 heures de jeu dans la démo, et puis j'avais cleané. Tout ce que j'avais pu cleaner. Alors j'avais dit aussi, ouais, on peut nager mais on peut pas plonger. Là, ouais, non, c'est, il me manque la relique. C'est exactement ce que je me disais. Il faut que je revienne avec le bon système de déblocage, genre, que je n'ai pas, que j'aurai plus tard. Alors là-bas, c'est la ville. Ah oui, là-bas, il y a une espèce de pommier. Enfin, pas de pommier, mais... espèce de verger, là, voilà. On va y aller, parce qu'il y a des miel-ours. Ah, j'en peux plus de ces miel-ours. Et il y a surtout une quête à faire. Et nous allons la faire. Je me rappelle qu'on l'avait prise, je crois qu'on l'avait prise dans la démo, mais on l'avait pas faite parce qu'on s'était dit ouais, la démo, c'est bon, on balaye qu'un peu. Mais en vrai, maintenant qu'on est dans le vrai jeu, et puis je m'étais dit d'ailleurs, dans le vrai jeu, je l'ai fait. C'est vrai que dans le cadre de la démo, bon, je trouve un peu. Cadre de la démo, on s'en foutait un peu, mais maintenant on en a besoin. Objet. Ding. Là-bas, on a pris un, c'était le petit point de TP. Qu'est-ce que j'avais dit du miel ours?
距離、ピックルがいなかったら大変だったね。本当、歩いていたら大変だったろうな。Ça aurait bien été le genre à mettre un petit objet à la con là sur le toit. Dommage qu'il y a. Qu'ils ont pas mis, ça aurait été rigolo. Bon, le miel ours là. Encore du miel ours. Tellement un nom de petit déj dans un resto ou je sais pas quoi. Ça. Le miel ours. Encore une petite tartine de miel ours. Voilà, normalement. J'ai fait le tour de tout. À moins que plus tard dans le jeu on ait un genre de compteur de miel ours. Alors là, ça serait très rigolo. On a quand même un compteur de coffres. Franchement, j'aurais pas dit non. Un compteur d'objets, d'objets planqués, là, tous les petits trucs jaunes. Et un compteur de miel ours. Alors peut-être que plus tard, on va débloquer la fonction, mais... le coup de savoir les miel ours, là, tous les miel ours qu'il y a dans les zones, et savoir ce qu'on a éventuellement oublié... Clairement, moi, je dis pas non, là. J'en ai vu un là-bas. Je vais faire le tour des arbres vu qu'ils sont planqués dans les arbres. Putain, j'allais dire entre les arbres, mais non, dans les arbres aussi. Ah, les salauds. Et encore. Voilà, il était là. Je sais pas combien il y en avait depuis tout à l'heure, là, dans ces vergers. J'ai pas compté, mais... peut-être une dizaine, ouais. Alors normalement, je pense que j'ai fait le tour. Dit-il en repérant un autre miel ours. D'ailleurs, j'étais pas allé ici dans cette portion là. C'est fou hein. Ça donne envie de faire donne envie de maxer hein, de maxer l'exploration là. Voilà. Encore. Je pense que là, voilà. Bah de une dizaine, ça passait une douzaine. Hein. Allez hop. La quête. Voilà, normalement, les miel ours. On est bon là. Ce qui t'arrive, toi. Je suis arboriculteur et les droséras sur les nutriments. Si je m'en débarrasse pas, je vais être bien dans la merde. Comment faire? Et là, aventurier, j'ai perdu mon marteau. Miel ours? J'ai pas vu celui-là, tu vois. Il y en a plein. Et j'ai pas mon pouvoir. Oh là là, je regrette de pas voir. Là, clairement, là, si j'avais eu ma furie, là, mais ça aurait été tellement fanda. J'ai tapé plein de fois dans le vent, là. C'est où ? Ça pue ? Encore ? Ah bah non, ça y est. Ah, j'aurais tellement voulu avoir ma furie là, ça aurait été magique. Il y en a combien des ennemis ? Il y en a 12 ? Pas de soucis. J'ai mon lance-roquette. Au passage, si on tombe sur un autre miel ours qui m'aurait échappé. Je dis pas non. Mais je crois que là. Tous les miel ours plantés planqués dans le verger là. Nuisance des terres, 1500 balles. Eh ben putain, ça valait le coup. Rentable.
maintenant. Bah maintenant c'est la suite et fin de la zone, ou presque. Je vais aller là-bas, aller au port de Rata. Ouais, le port de Rata, c'est là où il y a la... Ça va être la suite. Hop là. On va aller dans le coin là-bas pour histoire de clean. Histoire de cleaner le reste de la zone, ou en tout cas la cleaner autant que possible. Parce que tout ce qui est cleané une fois, on n'est plus à faire après. Il y a peut-être aussi un autre name. ものたちが強くなってきた気がするな。大丈夫だよ。バルだって強くなってるもの。ヒナがそう言ってくれると安心するよ。でも油断はしない。これからもみんなを守るために鍛錬は続けなきゃ。 Opérisson, mais pas un coffre caché par là. Ouais, caché, un coffre quoi. C'est à coup de 100, maintenant c'est 900 là, franchement. Là c'est pareil, faudrait que j'y retourne quand j'aurai la relique. La relique orange là. Et ah oui, mais c'est vrai, tant qu'à faire, il y avait des ruines aussi là-bas. Des ruines, je vais y aller. Je vais finir ça et puis après on va avancer. Vu qu'il ne me reste que ça à faire, là je suis allé. Voilà, il reste là. Avec là des zones, ouais, je me rappelle des ennemis niveau 50 et quelques. La démo, c'était pareil. Je comprends pas là, monsieur le juge là. Il y a un souci. Ouais non, là on va peut-être descendre du clébar. Parce qu'avec la vitesse, il me plante un peu la merde, quoique non. Fallait faire un peu attention. Ouais. Allez. T'es gentil, mais... tu vas trop vite pour ce genre de petit endroit exigu. Voilà. Bonus de protection. J'ai pas eu le temps de lire. Mais le nom me plaît. Je veux bien en équiper plus si c'était possible. Bonus de protection. Utilise la puissance des esprits de la terre pour augmenter la défense d'un allié ou de soi-même. Oui, moi, pourquoi pas. Coup du braconnage. Ça me plaît beaucoup, mais perso, je l'aurais pas appelé comme ça, hein, parce que le braconnage en soi, c'est autre chose. Et là, je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Quel est le point d'intérêt que je ne vois pas? Il est peut-être là-haut. Je vois qu'un coffre là-haut, hein, mais comment y aller? Là, non. On peut pas. Alors, ou c'est un bug, après ça se peut, hein, ça arrive. Hein. C'est pas parce qu'on s'appelle Vision of Mana et que j'adore ce jeu que peut pas y avoir de sale bug pourri, là, non?
Est-ce que je vois quelque chose qui brille là-bas? Non. J'ai bien envie de poser la question sur Twitter ou je sais pas. Comment ça se fait que là, il y a un point inaccessible? Ouais, ou j'irai voir sur une autre vidéo de quelqu'un qui a déjà fini le jeu ou quoi. Mais... Ma foi, bref. Est-ce que dans la démo, il y avait un truc ici déjà? Je ne sais plus. Alors là... Donc il reste, ouais, deux coffres. Ouais, deux coffres, hein, ouais. Bon. Je le viens de l'aimer. Histoire de défoncer les niveaux 50 là. Tiens, j'en rigolais. C'était une blague. Je voulais juste leur mettre un coup de patte et me casser. Clairement, ils ont dit non. Et quand ils ont dit non, c'est non. Oh la vache. Failli mourir, moi. Comme un con. J'ai sauté, je crois qu'il y avait. J'avais vu un truc là-bas. Allez, traçons, Cassos. Et dans la ville, de mémoire, il y a aussi des... Il y a une ou deux quêtes secondaires à faire avant d'avancer. Que j'avais pas faites. Ben, c'est celle-là que j'avais pas faites. Par contre, les quêtes-là trouvées ici sur le pif, je les avais faites. C'était les quêtes de la ville que j'avais pas faites. Ben, maintenant, je vais les faire et puis après, on va faire le bateau. Et lui, c'est un petit connard. Ouais, elle a bousculé quelqu'un. C'était un connard, mais... Voilà la quête. Il y a 4 quêtes à faire ici. Ouh, il me semble qu'il y en a plus que dans la démo. Badabadabidup, échange de miel ours. Tu n'as toujours que les mêmes merdes à me vendre. J'ai envie de dire que pour l'instant je gère avec les bonbons, mais le chocolat. Ah, 3 c'est le stock que toi tu as là. Ah, ok, j'avais pas compris. Bah écoute. Les glands. Pour l'instant, j'ai besoin de rien d'autre, mais clairement le chocolat. Peut-être moyen que ça serve. Objet. Quest. Ouïouïouï, je me suis fait attaquer par des sawagines. Alors que je me prenais aux chutes de désunion. Anthony, menuisier itinérant. Et Mielours. Mielours. Ça y est, je me suis remboursé déjà d'une partie de mes chocolats. Objet. Je t'ai vu, petit objet.
qui sera bientôt mien. Là, c'est con. Pourquoi c'est pas plus vivant comme lieu, là? Ceci dit, pas d'alcool, vous êtes encore trop jeune. Il y a longtemps qu'on ne l'avait plus sorti, celle-là. Ouais, je trouve que ça manque de vie dans cet endroit-là. C'est dommage. C'est un peu dommage. Toi, on t'a vu. Yes. Objet. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de double saut en ville. Là, c'est les points jaunes, c'est les potins, c'est... Ouais, c'est ça, Ina. Alors, avant, je vais essayer de choper tout le monde pour faire les quêtes, là. J'ai perdu ma barrette. J'ai perdu mon marteau. Mais c'est totalement ça, hein, n'empêche. Après, les quêtes, c'est ça, hein. Plein de quêtes secondaires. Oula, aventurier, j'ai perdu quelque chose. Va me le chercher là-bas, dans un endroit plein de monstres où... où moi, je ne me balade pas. Merde. J'ai activé le dialogue. このぬすっとめ。さっきはわざとぶつかったのだな。え？ぬすっと？うちが？ぬすんだ鍵を出したまえ。おじ、取ってへん。今すぐ返すなら罪を軽くしてやろう。す、いや、か、る。取ってへんって言うてるやん。信じられへんねやったら勝手に騒いどき。 まずいな。厄介な相手に捕まってしまったようだ。あの人のことを知ってるの？水の都エリスタニアの大臣プサルだ。野心家で王の地位を狙っているという噂もある。その気になれば盗人の罪を着せることなど奴にはたやすいことだ。大事になる前に助けてあげないと。 Aider Karina. Alors elle est toujours dans le groupe, donc techniquement après on peut partir. Je peux quitter facilement la zone, je pense, sans sans perturber l'histoire. Voilà. Alors là, équiper. Est-ce que je peux acheter des choses? Classe. Alors les classes de bidule là. Les classes de Morley que j'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore débloqué. Par contre, toi... Ah non, t'es pas... Ah non, classe danseuse. Ah, ça, c'est pour la danseuse. Oracle. Bah merde, alors, c'est quoi ce magasin de merde? Ouais, clairement, j'ai rien à... J'ai rien à acheter de neuf, là. Putain, mais je vais me taper encore mon stuff, là. Plastron, voilà, et là, pareil. Ce que je peux acheter, j'ai déjà. Deg. Là, clairement, ça manque un petit peu de d'évolution de matériel. D'amélioration de stuff. Je pense que là, ça fait 8-9 heures que je joue là sur ce jeu. À comparer ça à plein d'autres jeux du même style, j'ai pas acheté beaucoup de matériel qui fait que je... Qui fait que je monte. Voilà. Alors lui, le coffre est là-haut. Qui fait que je monte en puissance sur les persos. Donc, à part du level up et de la montée automatique de stats, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de matériel à acheter pour être plus fort. Là, toi, t'es pas.
arrêter là-haut. Je dirais pas que c'est un point négatif, mais... Pas top, pas top. Fiona voyageuse. Maman, la brise marine est agréable. Tiens, c'est où, ça fait longtemps. Ah oui, c'est la peintre, du peintre Darny. Merci de m'avoir aidé. Vous êtes gentil, ma mère est décédée, la pauvre. Ok. Eh bien, nouvelle recherche de panorama. Cette musique est sympathique et elle me fait vachement penser à du Final Fantasy VIII. Elle me fait penser à la musique qu'il y a dans les villages. Alors là, je sais plus si c'est un endroit en particulier, parce que là j'ai un petit blanc, ça fait longtemps que j'ai plus fait le 8. Mais clairement, j'ai des visions d'une petite ville côtière là de FF8. Ah oui, là. Qu'est-ce qu'il me disait lui déjà? Puis votre bravoure, blablabla. Non, là il me disait rien du tout. Et ce coffre, j'ai visiblement pas encore accès. Miel ours. Objet miel ours. J'ai un peu l'impression qu'il y a une grosse partie du jeu qui est quand même dédiée à la recherche des objets des miel-ours, hein. Même si ça sert, je pense, pas obligatoire. C'est vrai que je compte un peu le nombre de... Comment ça s'appelle? Tout le temps passé à faire de la pure exploration pour courir après les miel-ours et les objets, et puis déduire ça du temps de jeu réel sur les quêtes, etc. Je pense qu'il y aura une surprise. Manque un objet, un coffre. Ah bah tiens. Un coffre qui est là-bas. Ensuite, une quête à prendre. On va refaire un tour dans les steppes de Fallow. Bon, là, pour le coup, j'ai peut-être encore avancé le dialogue. この娘とグルか。もう一度言う。カリナは盗みなんかしない。では、お前がわしの鍵を見つけ出してみせろ。鍵がない限り、この娘が鍵を盗んだということだ。その時は、お前もグルとして、プリムゴーから海に落っことしてやろう。鍵を盗んだ罰として、魚に食われるがいい。 心配しなくていいよ。僕が鍵を見つける。アホちゃう。鍵なんて心当たりすらないのに、見つからへんかったらパルまで海に落とされる。いや、そんなことになる前に逃げ出せばいいだけやんな。お前はこっちだ、手癖の悪い田舎者め。せやから、うちはとってへん。 Là par contre j'espère que ça va pas perturber mon groupe de repartir dans la steppe de Blue. Bon là du coup je me suis relancé dans la quête principale. Dans la ville portuaire, dans le petit peuple. Chercher la clé de Bisu, non, on est toujours 3, donc je pense que si je ressors. Ouais, je pense que là, le jeu, il a été cool en mode. Bon, on va pas faire chier le joueur s'il veut faire les allers-retours qu'il veut. Voilà pour ça, bonbon, maintenant. Coffre 5/5, terminé. Objet. Plouf.
objet. Déjà dans l'eau. Tac, 100 balles. Et un Mars. Tac, tiens, objet. Bah putain, 120 balles. Trouve du pognon par terre. Ça arrive pas dans la vraie vie, ça, hein. Imagine, t'es en ville ou tu te balades. Et puis, à 100 balles par terre, un peu plus loin, 120 balles. Moi, je serais content. Hein. Je passerai ma vie dehors. Tant qu'on y est, petit tour rapide de par l'intérieur, là, enfin, par la flotte. Non, je crois qu'ensuite il n'y a plus rien. Ouais. Alors je veux bien que tu remontes là. S'il te plaît, connard. Alors faut parler aux gens. Mais j'ai pas envie. Ah, je vais le faire. Je vais le faire après. Parce que dans le doute, il me semble qu'après, on doit valider le fait qu'on soit prêt pour partir. C'est vu que le fait de partir nous fait quitter la zone, etc. Donc le jeu demande au joueur s'il est sûr. Ça, c'est très bien. Félibel. Voilà. Quatre quêtes. Doit aider Karina. Allez, bâtard. Bah, écoute. On va faire son délire et puis après. Fusaru って人の持ち物を探してます。鍵なんだけど、何か知りませんか？鍵は知らんが、大臣の荷物の箱が手違いでうちに届けられてな。ひょっとしたら、お探しのものかもしれんぞ。開けてみてもいいですか？かまわん、かまわん。あった！これだ！このままただ返すんじゃ、つまらないな。オーリン？久しぶりだね！いきさつは知ってる。鍵は俺が持ってくから、先に大臣のところへ行っててくれ。オーリン、そうでよかった。それにしても、鍵をどうやって返すつもりなんだろう。そのまま返していいのに。ひとまず大臣のところに戻ろう。Je suis omnubilé par ce genre de nettoyage de cartes là, putain, c'est fou. Avec des jeux comme aussi Saints Row 2, Infamous, etc. Là où il y a plein de petites conneries à prendre partout là. Hop là. Oui, Saints Row 2. Les CD à récupérer partout dans la ville, les tags à faire. Moi aussi, j'ai bien aimé faire tout ça.鍵がついてたのか探してた鍵ってこれじゃないの見つかってよかったななぜこんなところに気づかなくてもしょうがないさいくら大臣様でも背中に目はないもんな結局鍵はあのおっさんが持ったあったん？そいつは違うぜお嬢ちゃん。バルが見つけ出してくれたんだ。俺がそれを借りてお仕置きしてやったのさ。これに懲りて妙な言いがかりはつけなくなるだろうよ。よかったねカリナ。これで気持ちよく出航できそうだ。船に乗るの楽しみにしていたもんね。プサルも同じ船というのは残念だが。みんな鍵見つけてくれて
ありがとう。ん？ありがとうって言うてん。ていうか、お人よしもええとこや。あんな面倒なこと、ようやる気になったな。お人よしだからじゃないよ。大切な仲間を助けるのは当たり前のことさ。それに、魂の守り人としてミコを守るのが僕の役目だ。カリナとみんなのことはこれからも僕が守ってみせる。もう、なんなんよ。ちょっとは文句言ってもらった方が収まりいいわ。さて、そろそろ船が出る時間だ。お前たちも乗るんだろ。行こうぜ。Ok, on a embarqué sur le prime nom. C'était la petite séance où on aurait dit une fin d'épisode de Masque. Ou de plein de séries des années 80-90, là, où ça se marre comme des teubés. Allez, demi-tour, on va vite faire les Kate. Il y en a 4 à faire, avec ou des thunes, d'autres récompenses à faire. Et après, on va finir cette vidéo par la traversée en bateau. Et un petit boss. Step the fellow. Voilà, exactement ce que je voulais plus faire. Il faudra que je fasse ça directement. Ah non, j'ai plus la technique de l'âme de magie. De l'âme de flamme. Est-ce que je l'ai armée, parce qu'elle était quand même forte de mémoire. Bon, je vais faire attention là aussi. Alors il faut aller où là? Je sais même pas ce qu'il faut faire en fait. Quête secondaire, il faut indice affiché, danger tapis machin, terrassé groupe de monstres. Ah oui, ok, c'est pas tout affiché. Oh, je sais plus. Bon. Écoute. Voilà. J'ai un truc juste à côté de là, apparemment. Ah oui, c'est carrément dans l'autre zone. Torasete morau zo. Kou tsukau no sa. Soku. Dou da. J'espère que j'ai quelqu'un. Pas sûr d'avoir touché en plus, c'est ça le drame. C'est pas possible, ça tombe très bien, je ne veux pas fuir. Ah, je me suis fait bien avoir par la fuite de toi là, par... Sur un aimed là, ah, je me suis fait bien eu là. Alors là, ici tout. C'est tout indiqué partout. Ah bah non, c'est bon. Lune. Là, le délire des lunes. Danger tapis à la scacade, faites votre rapport. Voilà. C'est fait. Quête suivante. Terrassé, ça y est, hop. Là, il
Bah, indice affiché, je comprends pas aussi là, indice affiché. Pas beaucoup d'indices justement, à moins que c'est ces petits trucs là. Ouh là là, bah faut les voir hein. Parce qu'ils sont pas bien, bien visibles hein les gars. Allez, c'est parti, on va tuer des monstres, faire des panoramas, des visions. C'est bien comme je le pensais là-bas. Les monstres ou c'était le point de panorama là, je ne sais plus, c'était le paysage. Ok, bon bah il faut tout faire de toute façon, donc que ce soit ça ou une autre quête. Voilà, prévenons Fiona. Ok, objectif suivant. Alors apparemment, en plein milieu, il y a aussi quelque chose. Là où il y a la tour, là. Peut-être la quête qui va me débloquer l'entrée à la tour d'ailleurs, parce que des fois c'est ça, des endroits inaccessibles qui se débloquent par des quêtes annexes. Résiste. C'est pas des Dorcea qu'il faut tuer en plus, des Félibelles, si j'ai bien lu. Voilà. C'est ici examiné. Voilà la barrette de bidule. Et non, c'est pas dommage. C'est pas, là, pas un truc qui ouvre la porte là. Remettez la barrette. Pour tomber. Abeille en furie. Ah, mais c'est simplement tuer 4 félibelles, c'est tout. Pas un endroit en particulier où. Non, bon, bah... Cherchons des félibelles. On va peut-être plus m'indiquer un endroit en particulier, je sais pas. Bien sûr, là, je vais galérer pour en trouver. Félibelle. Félibelle. Pas Félibelle. Belle, c'est Cosmocat, ça. Je suis bête. Alors, ok. Normalement, il y en a une de validée. Est-ce que c'est indiqué quelque part? Parce que ça, c'est aussi un autre problème. Quête. Ouais, c'est ça, 1 sur 4. Eh bah putain, faut le deviner, hein. Enfin, faut s'en rappeler, hein. Par terre, mais où il est passé?
Voilà. Alors, 1, 2, 3. J'espère qu'il y en a 3 et 4. Non. Alors, victoire, j'ai pas fait grand chose en vrai, encore une fois. Le ranger Donald Buck, c'est moi. Ah, ouais. Peut-être que je sorte mon épée là. Il en manque une normalement. Balbec, Balbec. Et voilà la quatrième. Là, normalement, ils ont dû tous exister là. C'est bien. On est normalement à 4. C'est bien ça. Bénédiction de l'eau. Alors ça, ça peut être très bien parce que vu le boss qui va venir, ça je le sais de par la démo. 8. Et juste après, je croise un groupe avec 3 félibelles. 3 félibelles. Filles abeilles. Oh, comment ça s'appelle déjà? Ah putain. Des filles abeilles. Pas des félibelles. Bah écoute. J'ai fait 4 combats. Hein, juste après, comme d'habitude. Évidemment. Des groupes de 3. Tant qu'à faire. Y a pas un autre objet que j'aurais pas vu. Ou un miel ours. Qui m'aurait échappé. Quatre quêtes à rendre d'un coup, c'est pas mal. Je pense que je vais faire des beaux petits gains. Merde, c'était à qui là? Ah. C'était juste marqué de l'autre côté de la maison. Et pas que les Sawagin. Venez, c'est pour vous. Des thunes, bah déjà je dis pas non. Toujours besoin de 3 sous là. C'est sûrement ta barrette, oui c'est ça, la barrette. Saut de chance. Qu'est-ce que c'est que ce saut de chance? Saut de chance, chance plus 10. Ça fait quoi la chance? Merde. Là c'est la question. Logiquement, ça serait non, je dirais pas trouver d'autres objets en plus, mais plutôt comment ça s'appelle, pouvoir faire plus de critiques, ça serait pas déconnant. Ah merde, il y avait encore un truc où, là-bas. Ah oui, il y avait 3 quêtes, dont une c'est Fiona, et puis c'était validé. Et là, faut aller où? Merde. Abeille en furie. Vous êtes sérieux là? Mais j'en ai fait 4. Ah, un problème là, monsieur le juge, là, je suis pas d'accord. Ah oui, alors donc,
4 quêtes, dont une validée, c'était Fiona, elle est restée sur place. Mais alors là, les filles belles, peut-être, je suis certain que... Il y en a eu 4. Bon bah écoute. Si le jeu me dit que non, c'est que non, hein. C'est con, mais bon. On va retourner au groupe de 3, comme ça je suis sûr que là, j'en aurai bien les 4. Oh là là. Abeille, abeille, abeille. Peut-être que j'en ai confondu une avec, avec ces abeilles là. Quand même un peu con là, hein, quand même. Hein. Là on est d'accord, par contre, il y en a 3. Et le miel ours dans l'arbre. Ah bah tiens, voilà, victoire. Ah oui, non, victoire sur le combat. Déjà, là, le miel ours que je n'avais point vu. Voilà. Il n'y a pas de petit profit. Maintenant, faites votre rapport. Ouais, c'est ça. Ah, il m'en manquait une. Hein. Il me manquait une, c'est très ballot. Petit aller-retour gratuit, petit tour de manège. Bim. Au moins toi, tu me fais pas descendre du truc là et... T'as pris ton petit coup de tête. T'étais vraiment juste à côté en plus, hein. C'est vraiment ballot. Hein. Vous revoilà, vous avez vaincu les bidules. Alors par contre, la bénédiction de l'eau, ça peut m'intéresser. Merde. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Quoique 10% réduit de 58. Est-ce que je vais en avoir besoin sur l'autre boss? Je me rappelle pas. Allez, dans le doute, voilà, bénédiction de l'eau, ça va servir et c'est parti, on avance, c'est parti mon Iki. Joli petit combat là de mémoire. Ça va bien se passer les gars. On a fait tout ce qu'on pouvait, hein. Oui, allez, au pire, de toute façon. Plus tard dans le jeu, hein, si on peut pas revenir là. Montez sur le prime. L'histoire avance, c'est bien, c'est cool. Ça avance, ça traîne pas trop trop. Une zone, puis une autre, puis une autre. さっきはびっくりしたよ。大臣相手に東京があるな。面白かったろ。それにまた会えるなんて思ってもみなかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い。巫女の旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱり巫女なのか?うん、そうだよ。狩りなは風の巫女で、モートレアはなんと月の巫女なんだ。 月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。え、それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんだって。 ずっと大昔、政権が英雄に託された時代の話らしいから。政権？あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。
そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔ではミコとの旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の森人ミコ、今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。Olin, pourquoi tu as fait cette histoire ? La petite histoire. On a l'impression qu'il résume un petit peu vite fait les anciens jeux là, les anciens opus de la saga Mana. En vrai, j'ai aucune idée de où se situe ce Vision of Mana sur le sur la timeline de Mana. Est-ce que c'est genre bien plus tard ? Est-ce que c'est genre le prequel ? Est-ce qu'on a besoin d'objets ? J'ai des bonbons. Ah oui, j'avais acheté des chocolats. Quantité de pièces. Biscuits, XP. Putain, tous ces objets, je les utilise pas du tout depuis le début là. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Gland magique, régénère des PM. Peut-être mettre le chocolat à la place de ça. Parce que le boss qu'on va affronter, il est pas mal. En raccourci... Ah putain, je me suis fait chier à passer là-dessus. J'ai complètement oublié que j'avais aussi des trucs en raccourci. Voilà. Et on va aussi le mettre en raccourci. Tac. Tac. Ouais, il faut pas que j'oublie que j'ai ces raccourcis aussi là, ces commandes. ざわめいとる。え？精霊が？やっぱりこの天気。tu le sens le boss à tentacule arriver là？まだ。大丈夫か？揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に何かいた。波もざわめき立ってきたぞ。Un petit poulpi. À l'attaque. Alors, je sais plus trop comment on le bat. Full taper les tentacules. Ouais, je crois qu'il faut juste taper les tentacules. Okay.
Allez, fais des critiques, je t'en prie. Bastonne-moi ça. Ah oui, là, j'ai pris un seul coup. Après, je sais pas si directement, si je claque ça, tu vas prendre cher, normalement, un petit peu quand même. Autant de critiques, ça fait plaisir. En tout cas, autant de critiques, ça fait plaisir à voir. Voilà, là, on va commencer à faire gâche avec autre chose. Eh bien fait ce combat quand même, hein. C'est énergique. Ça va que même sur les patounes, il a l'air de bien prendre cher là. Allez, on lâche pas les 22%, je sais pas si je pourrais lui faire une troisième. Si je pourrais lui faire une deuxième attaque là. Deuxième furie, je veux dire. Allez, on tape, putain, 35%. Je pourrais pas lui refaire une deuxième, c'est bien dommage. Où sont les patounes? Merde, j'ai plus, je me suis perdu là sur le. Ouais, sur la démo, j'avais la lame de flamme. Il y avait quand même un joli petit dégât en plus. Mais bon. Mais escape-toi, putain, il reste en plein milieu. Bon, il prend bien ses coups, hein, 70%. Ça descend plutôt vite, froid dur. Même au niveau des collègues, hein, ils n'ont pas l'air d'avoir très mal. Bon. Ok. Non, là pour le coup, j'ai pas trop vu la fin. Il me semblait qu'il y avait plus de vie. Bon. Ouais, c'était easy. Hein. Pouf! Voilà, t'es là, t'es plus là.
Et voilà, c'était la fin de la démo. Tuc, limite de l'arborescence élémentaire. Certains objets vous permettent d'augmenter la limite. Ah, ça c'est bien ça, vous pourriez ainsi apprendre des techniques et compétences. Mais clairement, plaque, noyau, utilisé comme matériau de graines de compétences. Augmentant, voilà, le tonifiant de gardien d'âme. C'est ça qu'il faut que j'utilise là. Tonifiante, c'est ça. On sent, augmente temporairement. Octroie aval le pouvoir de l'esprit. C'est ça qu'il faut utiliser direct. Compétence apprise via. Ah bah voilà. Ça c'était le truc qu'on n'avait pas avant et qu'on avait déjà dans la démo. Ils avaient dû le débloquer pour montrer un peu d'arbre d'évolution. On l'avait pas avant. Maintenant ça y est, c'est là, les effets de compétence. Ça, c'est cool, ça. Retour. Chaque compétence présente des effets particuliers dont vous pouvez augmenter la puissance. Selon les graines, ok. Vous pouvez utiliser pour augmenter la limite de Val. Oui, parce que c'est un peu le héros. Tu luttes, lien approfondi. Voilà. Très bien. Du coup, là, utilisez vos PE. Points nécessaires, 10. Est-ce que c'est les points, c'est les tréflores? Non, j'en ai. Non, les PE, j'en ai 97. Donc je peux déjà monter pas mal. Alors ok, en fonction de... Oh là là. Fonction de la relique que tu mets au perso, ça lui donne une classe que tu peux monter là. Et ça fait qu'il y a potentiellement plein de trucs, plein de croisements différents. Je vais prendre le temps de lire ça, je pense, après la traversée du bateau. Parce que là... Je me suis habitué à cette classe-là, mais il y a peut-être autre chose qui peut être pas mal. Et ouais. Et Morlaix, lui, il n'a pas de relique. Parce que je n'ai pas de troisième relique, c'était bien ça. Ok, oulala, et bah c'est là qu'on va attaquer vraiment, je pense, le pas le cœur du système de ce jeu, mais une grosse partie, quoi. Clairement. Et là, ça va être bien, parce qu'on va un peu plus à personnaliser l'équipe et sortir un peu du côté RPG classique, jeu d'aventure lambda. Yo, vous deux, ça. Le combat de hier, c'était fou. Comme je l'ai dit avant, バルは村で一番の剣の腕なんです。ああ、この目でしっかり確かめられた。しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でも、いつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくはわからなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。無理にわかろうとしなくてもいいんじゃねえの？不思議なことなんて。この世にはいくらでもあるさ。さあ、いよいよマーノドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。分かってるよ。だってバルは魂の森人だもん。それだけじゃないんだけどさ。今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り水の都エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが
Ouais, là, le coup des offrandes de, des autres capitales, enfin des autres continents qui se retrouvent à la capitale, là, ça va être un peu inédit. Donc, hâte de vite découvrir ça. この先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中に溢れている。 Carrément, trop bien. Et puis le coup de rencontrer des autres offrandes, ça sort un peu du schéma un peu classique où nous sommes les seules offrandes du début du jeu, là, depuis le début du jeu. Là, il va y avoir un peu de la croisée des destins, là, je pense. Chapitre 1. ここはリディアス港。 マーナドール大陸の東の玄関口にあたる。この町から道なりに歩けばエリスタニアに着くって森人の師匠から聞いてるよ。ライザネーもここを通ってミコを迎えに行ったんだな。それじゃ俺は一足先にリディアスを出るよ。こいつは選別だ。オーリンが持ってたの？ 大臣様に返しそびれちまってな。いい作りの鍵だし、売っ払って路銀にでもしちまえば。そんなことしないよ。冗談だよ。じゃあな。彼は旅人なのか、行商人ではなさそうだな。前に会った時は地質を調べてるって言ってたよ。地質？ そうか。彼はガイア族だから、土の村ギッドのものか。土の村と同じことが起きないよう、我々はマナの木にたどり着かなければならないな。そうだね。気引き締まったわ。これからエリスタニアに向かって水の巫女と合流して、それから洗礼を受けるんだったよね。そや、洗礼や。ドキドキするな。 Brought de Lydias. Bon bah, ça va être pas mal pour cette vidéo. Clé de Psar x1. Et ben waouh. Alors là, on a une belle capitale à découvrir. Oh lolo. Ouais, clairement. On va prendre ça le temps. Enfin, prendre le temps de faire tout ça. À la prochaine vidéo. D'ailleurs, petite question. Oh bah tiens, déjà. Oh. Bonbon. Kraken, c'est dommage de l'avoir vaincu, mais bon, bah ouais, on va pas le laisser nous couler quand même. Si je veux retourner dans les premières zones, est-ce que je peux? Il va me dire non parce que voilà, la réparation risque de prendre du temps, c'est bien ça. Ok. Activage de la sauvegardage. Bim. Sauvegarde terminée, niveau 12. Putain, on a pris deux niveaux dans cette partie, c'est sympa. 13 heures de jeu, en prenant bien notre temps. Enfin, 13 heures de jeu, non. Il est 13 heures, là. Oups. 8h47 de jeu. Bon, je sais pas si c'est bon ou pas bon. Enfin, moi, j'aime prendre mon temps, donc à la limite, on s'en branle. Mais enfin, bref, ça va être bon pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça me donne une force de fou. Amusez-vous bien. Puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de Vision of Mana. Tchou tchou!